Eh bien, bonjour tout le monde, salut mes copains. Désolé, j'avais oublié de remettre mon micro. Je me suis foiré comme un canard. Désolé. Et comme vous voyez, on se retrouve parce que ce connard est mort. Ouais, j'ai vraiment eu un timing parfait. Allez, crocs de flamme. Ouais, je suppose que tous les dragons ne sont pas méchants. Oh, vous pouvez voler! Tu peux enfin voler! Allez, on doit encore vaincre les dragons de Dracote et sauver ta sœur. Ouais, niveau 28! 48, pardon. Ah ouais, effectivement, je peux voler. Wouh! Putain, on est rapide hein, quand on vole. Waouh! Non, sérieux, la vitesse, c'est énorme. Hein. Waouh! Ah, mais en plus, j'ai juste appelé une fois et après, il reste en vol H24. Très bien. Bah, attendez, vous savez quoi? Tiens, c'est quoi, toi? Ouais, c'est ça. Faut que je cherche un endroit où je peux me reposer. Bon, bah, ici, hein, ça va être parfait. Ouais, la partie sauvegardée, comme ça, je respawn ici si je crève. Ce que je ne souhaite pas, mais on sait que ça va arriver, donc bon. Par contre, là, c'est les deux autres alliés du dragon qui m'inquiètent. Parce que je déteste ces ennemis-là, c'est des merdes. Ces ennemis-là, ils sont horribles. D'accord, donc je peux même pas attaquer dans les airs, fais chier. Bon, bah allez, c'est parti. Ouais, voilà, je le déteste. Ouais, crève, connard. Putain, pas mal, hein, 475. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Ça va être chaud. On va crever. Aïe. À moins qu'on le fait du premier coup, ce qui serait assez énorme. Même si je crois pas. Et bah ouais, du premier coup, dragon légendaire, trophée obtenu. Bon bah du premier coup, on l'a fini. Trop bien. Et voilà, tous les dragons sont vaincus, allons chercher ta sœur. Je crois qu'on va prendre cette arme-là. Et niveau 49, trophée obtenu, niveau 50 même. Trophée obtenu, chat aventurier velu, niveau 50 atteint. Si tu veux retrouver ta sœur, viens me chercher là où tout a commencé. Dracote est tellement paresseux qu'il nous parle directement dans nos pensées maintenant. Alors ben viens, allons-y. Hey, il voulait. Bon, où tout a commencé, je crois qu'on peut se douter d'où ça vient, mais. Ouais, c'était sûr. C'est vraiment dans les premières secondes de la map. Hey. Est-ce que je m'emmerde à faire ça? Ouais, non, vas-y, on va quand même tenter de le faire, Dracote. Et puis si on perd, tant pis, on fera n'importe quelle quête ou je les ferai en vidéo histoire de XP un peu. Puis c'est bon. Oh, attendez, il y a une quête ici. Le roi lion. Putain, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait au final. Ça sent un peu le piège. Totalement. J'ai un mauvais pressentiment. Oh mon dieu, il est là! Enfoiré de fils de pute, tu vas me rendre ma soeur! Sérieux? Aussi facilement? Ouais, c'est ce que je pensais. Ça aurait été trop bizarre. Bien, bien. Vous vous souvenez combien vous étiez faible? Maintenant, vous êtes tous les deux tellement puissants. Tout ça grâce à toi, tête de rouille. Et maintenant, il est l'heure. Ta sœur t'attend à la pâte gelée. Et ben, enfin, on peut y aller. Ça ne ferait pas de mal de devenir un peu plus fort avant le combat final, non? Viens, je connais l'endroit parfait. Oh bah, allez, s'il nous donne littéralement un conseil pour où aller, moi, ça m'arrange.
Hop. L'éditorial nommé l'île clé, car elle a une forme de clé. Qu'est-ce que tu en penses? Même. Attends, quoi, sérieux? Ouais, une clé un peu déformée hein, quand même. Et toi? Niveau 40, le serviteur de Dieu. Ok, bah. Parfait. Alors. Toi. Oula! Ceci est la tombe d'un dragon tout d'abord. Allons la vider. Bon, ça va, on a le niveau. On devrait gérer. Ça devrait être géré facilement, je pense. Même si lui là, on va le faire en dernier parce que. Il est chiant. Alors. Ah non, mais en plus il est évolué là, c'est pas le même que d'habitude. Oula. Tiens, attends, c'est quoi? Hop, juste avant. Mouais. Voilà, comme ça. Lui, on va lui spammer notre. Voilà. Du coup, oui, ils ont dit qu'on doit aller dehors, mais j'ai quand même envie de regarder le truc devant. Sait-on jamais. Bon, ok, ça ne sert à rien. Super. Bon, bah sortons. Spiri, ton ami est puissant, hein, Draco sang, hein. Oui, grande patte, nous devons apprendre comment devenir encore plus fort. Oui, oui. D'abord, vous devez apprendre quelque chose à propos des vieux maîtres, alors suivez-moi. Cette île était une fois. Il était une fois le centre de l'empire des vieux maîtres. Et maintenant, il ne reste que des ruines et des tombes pour nous rappeler leur existence. Il n'y a pas eu de trophée qui me dit que c'était la fin. Ah, niveau 45, ça, parfait, ouais, ouais, je suis content là. Je pense qu'on va au moins se faire celui-là, histoire de s'XP encore un peu. Ce serait plutôt bien. Sérieux, c'est du niveau 45 et j'ai pas assez pour le défoncer. Mais tu te fous de ma... À moins que lui, c'est que avec les pouvoirs, hein. Ouais, ok, faut des pouvoirs pour le niquer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pas grand-chose, hein. Oh, putain! Ah ouais, cap de mage, niveau... attendez deux secondes, on va quand même regarder. Cap de mage... Hein? Ouais, mais ça me fait baisser du bouclier. En plus, baisser du bouclier seulement pour 3 trucs, bof, quoi. Pour 3 de magie en plus, c'est vraiment pas ouf. Ouais. Alors on va le tenter. Ouais, je sais, j'arrête. J'arrête de jouer avec le feu, là je vais calmer. Parfait. Moi je voulais juste prendre l'autre coffre. Je sais, j'aurais pu le faire de l'autre côté, mais je suis trop con. Qu'est-ce que vous voulez. Allez, fais-moi passer au niveau 51 là. Parfait. P-
Parfait, parfait, parfait. C'est très chaud ce que je suis en train de faire quand même. Là, je joue vraiment avec le feu. Puis quoi encore? Oula! Oh putain, barrons-nous vite. Allez, vole, petit chat. Vole, monsieur Miaou. Ceci, mes chers petits chatounous, est un vieux maître. Tu te poiles de moi, je ne savais pas qu'il ressemblait à ça. Les dracos sont les vieux maîtres vivaient main dans la main auparavant. Nieno, une pas loin d'ici. Retrouvez-moi là-bas quand vous êtes prêts. Yay! Niveau 52! J'ai l'impression que c'est l'endroit où on a été déjà. Tu te fous de ma gueule. Les réponses à vos questions vous seront dévoilées une fois tous les monstres à l'intérieur éliminés. Bah oui, pile l'endroit où on a été un instant quand même. Hein. Vous voyez le foutage de gueule du jeu? Bon, en même temps, c'est ma faute. Hein. Bah oui, bah c'est ma faute là. M'en fous, on fume d'abord lui en premier. Ah, quoique... Non, pas lui en premier. J'ai envie de la jouer intelligemment. Et s'il y en a un qui va nous faire le plus chier, je sais que c'est lui. Voilà. Au moins, problème réglé. C'était rapide quand même. Hein. Pas de clé, évidemment. Comme d'habitude, on est habitué. J'adore la vie, salope de merde. J'adore la vie. Et hop. Meurs, méchant. Non, lui, on le fera plus tard. Là, je pense qu'on va surtout frapper les mains. Après avoir tué celui-là. Et hop. Allez. Ouais, je sais, j'ai joué avec le feu en faisant cette connerie. Là, je l'ai regretté, je le sens. Ah bah oui, hein, lui, il est méchant. Il est puissant, l'enfoiré. Ah non, il pue la merde, en fait. Ouais, rien ne se passe, retournant dehors. Ah, peut-être que rien se passe, mais au moins, on a beaucoup d'XP. Et ça, c'est cool. Oh, j'ai encore ce sentiment bizarre. Miaouarg! Draco sans détecter. Entrée 33-45 en cours. C'était plus simple à dire. La guerre des dragons est terminée, mais il reste encore les problèmes d'Aelius. Les dracosons sont devenus trop puissants, et Aelius, c'est il. Il semble hésitant à sceller ses créations. Aelius se traite, je sais ce qu'il cherche. Il veut usurper le trône avec ses dracosons, c'est insolent. Alors nous sommes d'accord sur ce point. Que la dimension zéro soit ouverte alors. Aelius, c'est un vieux maître, j'en suis sûr. Alors il a créé les dracosans? Oh, cela peut sembler confus, mais tout sera bientôt révélé. Allons trouver le prochain. Ok, grand-père. Hein. Ouais, je vole. Je vole. Oui. Oh, une quête. Pff. En vrai, hein. Salut les merdes! Tu connais la chanson? Ah ouais, là ça va être chaud niveau 50 le truc. Eh, mais je l'ai déjà fait hors vidéo! Je vous jure que hors vidéo je l'ai fait cet endroit là. Et je suis pas mort.
J'étais pas mort une seule fois par chance, donc bon, on va le tenter. Hein. Ok, bon, là je crois que je vais peut-être canner. Oui, peut-être beaucoup même. Hein. À l'infini. Oh, regardez, je suis mort. Salope de jeu de merde. Qu'est-ce que je fous là, moi? Attends, quoi? T'es en train de me dire que le jeu va me... Oh... Ok, je vais sauvegarder avant. Quelle horreur, mais quel jeu de bâtard! Il n'y a même pas de mots, c'est un jeu de bâtard là. Sérieux quoi? Au moins c'est pas plus mal, ça me fera gagner des niveaux, donc bon. Parfait, bientôt le niveau 53. C'est déjà une bonne nouvelle. Allez hop. Oh. Bon bah c'est cool, pas besoin d'être soigné. Au moins, mais je vais quand même sauvegarder un peu. Ah. Allez, on va essayer de sauvegarder le plus proche de l'endroit où on est. Enfin, d'où l'endroit où on doit y aller. Ce serait une bonne chose. Comme ça, en même temps, on perdra pas énormément de temps. Ce serait cool. Ok, c'est ici le plus proche. Ok, donc le truc, il est là, non? On trouve un point de sauvegarde vers là. Oh, ta gueule! Les ruines pi. Pipi. Et ben il est là le dernier. Pas de folle te rend grand. Pas d'accord. Trophée obtenu, puissance de l'arcane. Les 7 compétences ont été obtenues. Ok, du coup. Te transforme en plus 52 dommages. Bah vas-y, on va prendre ça. Hein. Et on va l'améliorer parce que merde hein. Allez, après ça on arrête. De toute façon on n'a pas le choix. Niveau 5. Et toi? Oh, dommage. Du coup, plus 90. Ok, bah je vais essayer de trouver un endroit où je peux sauvegarder. Et ça sera parfait.
Ok, par là. Non. Ah. D'accord. Bah attends, mais il y a trop d'endroits qu'on n'avait pas vus en fait. Genre même ça là-bas, on ne l'a jamais fait. Ouais. Franchement, ça m'étonne qu'il y a plein d'endroits que je n'ai jamais vus. Ça me surprend. Tu connais la chanson? Oh oh. T'inquiète pas, papy, je la connais bien la chanson. Hey! Allez vous faire enculer, vous! Bon. Ah oui, effectivement, les dégâts là, intéressant. Allez, donnez-moi un petit niveau là. Oh putain, l'enfoiré. Fils de pute. Allez hop. Non. C'était sûr. C'était sûr. Il faut que j'arrive au niveau 55 ou quoi pour... Enfin, je sais pas, c'est con. Genre... On me dit qu'il faut être niveau 50 minimum, je suis niveau 53, mais pas assez, je suis pas assez haut level pour les battre. Enfin, c'est quoi ce foutage de gueule, là? En vrai, je pense que eux, c'est les seuls qu'on va devoir garder en vie le plus longtemps possible et qu'il faut éliminer ceux qui ont ça, hein. Ouais, voilà. Voilà, déjà ici, parfait. Au moins, on a fumé où il y en avait le plus. Et hop, allez hop. Non. Ok, maintenant, va falloir économiser pour lui. Faut qu'on lui pète la gueule. Les autres, ça va être chiant, mais ça peut passer. Mais lui... Ok, parfait. Connard. Oh. Ok, maintenant j'ai peur. Faut que j'essaye de tuer l'autre là-haut, là. Parfait, maintenant va falloir s'occuper d'eux. C'est pas la meilleure des stratégies, mais bon, hein, c'est la mienne en tout cas.
Ah, le fils de pute. Parfait. Oh putain, ouais. Sortons vite. Putain, fait chier, on est même pas niveau 55 là, ça aurait pu tellement nous aider de nous gagner, de nous donner autant de. Tu viens, t'en vas prêt pour un nouvel enregistrement. Effectivement. Draco sont détectés. Entrée 4729 en cours. Est-ce que c'est Dracote? Maître Aelius a été trahi. Ils ont scellé Maître Aelius dans la dimension zéro. Comment pouvons-nous le sauver? Puissance. Nous avons besoin de plus de puissance. Peut-être que tu es assez puissant. Alors Dracote est un Draco sang aussi, hein. Oh, c'était le dernier enregistrement. Runpad vous donne plein de fragments brillants. Fragment du dragon, c'est pour ça que nous sommes venus. Apporte-le à Kit Kat pour une arme spéciale. Bonne chance, vous deux. Ouais, bon niveau 55, il est là. Ouais, je suis content. Et hop. Waouh. Eh, salut les chatons. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Nous avons besoin d'une arme pour sauver la sœur de mon partenaire. Des fragments du dragon, où est-ce que vous avez trouvé ça? Oh, je pourrais faire de grandes choses avec ça. Revenez plus tard, ok, Minou, j'aurais préparé quelque chose de chanial. On va vraiment sauver ta sœur maintenant, hein. Je suppose qu'on devra se séparer après. Oh bah, je pense pas, vu qu'il y a un deuxième et un troisième jeu. Tout ce que nous avons vécu va me manquer. Mais n'aie pas peur, je serai toujours là pour te protéger. Parce que c'est pour ça que les esprits gardiens existent. Eh hey, les chatons, c'est fini, venez le chercher tant que c'est chaud. Regardez-vous les pattes avec ça. Oh. Ça a quand même le potentiel de devenir encore plus puissant. Si c'est ça que vous voulez, je vais rajouter une quête sur mon panneau avec les détails. Bah, je pense qu'on n'a pas trop le choix de le faire, hein. C'est leur partenaire, en avant, vers pâte gelée. Oui, peut-être, mais bon, je vais pas te mentir que, éventuellement, améliorer l'arme, ça me dérangerait pas. Venez me retrouver si vous voulez plus de pouvoir. Vous voulez renforcer votre fléau des dragons, les chatons? Avez-vous déjà pas entendu parler des sources de miaouvoir? Il existe des lieux dans notre monde d'où vient la magie naturelle? Si tu y amènes le fléau des dragons, tu le renforceras avant de pouvoir dire miaou. Je ne connais qu'un endroit, il n'est pas loin de la forêt profonde. Bonne chance, les chatons. Let's go! Ah putain! Fais attention là-dedans, c'est dur de voir dans une forêt. Raouh! Quelque chose se passe avec le fléau des dragons. Le fléau des dragons brille, puis s'assombrit. Ah! Rien ne s'est vraiment passé. Partons d'ici d'abord. Waouh! Une piste vient d'apparaître. Je suis sûr qu'elle nous mènera à la prochaine source de miaou voir. Ah, il a dit miaou. Le fléau des dragons brille puis s'assombrit encore une fois. Ça n'a pas de sens. On sent quand même une énergie magique en dès que nous sommes prêts. Le lac Feringard est près d'ici, tu vas aller vérifier? Oui monsieur. De toute façon il y aura un combat à faire vu qu'on m'a dit qu'il faut être niveau 50, alors bon. J'ai le même sentiment qu'à cet endroit. Pat en avant, quelque chose se trame. Si ça peut me faire gagner un niveau, hein. Ok, lui va être chaud à combattre. À moins que... Non, je déconne. Il pue du cul. Le fléau des dragons brille de toute sa puissance. Wow! Ah ouais, putain! Oh, mon dieu! Waouh! Ah ouais, putain! Nous avons réussi, partenaire.
Dracote ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Et niveau 56, ouais. Eh ben allez, on y va. Hein. Par contre... Là, ça me mettra à 700 PV, mais en même temps, vu la magie et l'attaque que je vais avoir... Oh, mais regardez-moi cette puissance de malade qu'on a. Mon Dieu. Mais quel carnage. Ah, ça va être violent. Hein. Tiens, t'as quoi comme quête? L'entrée interdite. J'imagine que ça va être une quête pour après. Caverne Miaou. Ah, bientôt, on peut la faire. Hein. Finissons-en. Ah, c'est juste là? Ah ouais. Ah, c'est décevant quand même. Elle est toute à toi, moi. Eh, hey, ma sœur. Hey. Quelque chose arrive. Bah oui. Ah, quand même, là, je ressens la... Ah oui, putain, non, mais les dégâts qu'on fout, c'est énorme. Non, mais regardez-moi ce bordel. Oh, mon Dieu. Ah bah, alors là, si je gagne pas mes niveaux avec ça... Allez, tu sais quoi? Même pas besoin de magie. Hop. Miaouza, où est-ce que ta soeur est passée? On dirait que ta soeur est partie à l'intérieur. Miaoug, t'es prêt, Patner? Nous sommes au point de non-retour. Ouais, peut-être, mais bon, je vais quand même faire une sauvegarde avant, hein, dans le doute. Putain. Je déteste ce jeu. Il me fait prendre... Non, mais c'est chiant, pourquoi ils nous ont pas mis au moins ne serait-ce qu'un seul point de sauvegarde à l'intérieur, quoi. Repos final. Ah bah là, il aura pas tenu aussi bien son nom, hein. En même temps, c'était sûr que le truc de glace allait nous emmener au combat final, mais bon, quand même. Mais franchement, si là, les dragons, on leur a fait mal malgré le peu de niveau qu'on a, imaginez juste. J'appuie sur R2 pour me faire grandir, donc plus de dégâts, et en plus de ça, non, ça va être une singerie des dégâts. Le combat final, il va être rapide. Où est-ce qu'on est, Miaou? C'est juste purement sombre. Bienvenue à la dimension 0, moi. Dis-moi, mon petit, pourrais-tu reconnaître ta sœur en toutes circonstances? Non. Ah, oh, le fils de pute. Faux. Essaye encore. Oui, bon, en vrai, je pense que c'est fait exprès que ce soit faux à chaque fois. Je pense même si je retourne de zéro et je fais un autre choix, ça me mettra faux. C'est juste pour nous troller, nous casser les couilles. Clairement, c'est fait exprès. Tu ne peux même pas reconnaître ta chère sœur. C'est dit faux, là. D'accord. Incroyable, tu ne comprends toujours pas. Tu n'as pas de sœur. Oh putain. Quel plot twist. Tout n'était qu'une illusion. Mon illusion. J'avais besoin que tu deviennes plus fort, alors je t'ai donné la motivation qu'il te fallait. Dracote, c'est bon, il a compris. Viens maintenant, Spiri, finis les charades. Ton travail est fini, tu peux partir. Je suis désolé, Patner, mais Dracote est mon maître. J'étais là pour être sûr que tu deviennes toujours plus puissant. Mais je ne suis pas du tout chacord avec ce qu'il fait maintenant. Regardez les bouche bée. Et maintenant, il est l'heure. Elius sera bientôt libéré. Oh mon Dieu. Dracote, s'il te plaît, nous n'avons pas besoin que ça finisse comme ça. Seul le sang d'une puissante créature peut voir la dimension zéro. Et qu'est-ce qui est plus puissant qu'un formidable draco sang? Hey. Eh non, merde, je me suis foiré. Voilà, hop, ah bah il est mort. Mouhaha, pas mal. Et maintenant, battons-nous pour de vrai. Miaou, comment peux-tu être si puissant? Dracote, arrête! Non, Elius nous a promis qu'il serait toujours là pour nous. J'ai l'intention de lui faire tenir sa promesse. Oh putain, il a grandi lui aussi. C'est bon, t'as de cheater? Miaou! Ah mon Dieu, quel combat de merde! Ouais, bon, c'était sûr que j'allais canner.
C'est sûr. Non, mais c'est pas choquant. Hein. J'ai tellement qu'un regret d'avoir sauvegardé ici. Bon, en vrai, je me dis... est-ce qu'on s'arrête maintenant? En vrai, j'ai envie de m'arrêter maintenant parce que j'ai peur que la cinématique de fin soit ultra longue, mais en même temps, j'ai peur qu'elle soit ultra courte et que du coup, si je fais une prochaine vidéo et on la termine d'un coup, le combat, j'ai peur que ça dure deux secondes, quoi. Tant pis, on prend le risque. Si je crève encore une fois, on s'arrête. Sinon, voilà. Hein. Voilà, comme par hasard, il dit faux. Maintenant, droite, encore faux, voilà. Comme je l'ai dit, c'était pour se foutre de notre gueule. Parce qu'elle n'existe pas! Moi, pas mal. Allez, donnez-moi de l'XP, merde. Bon, voilà, il est mort. Non, mais comment est-ce possible? Prends ça. Il m'a fallu des cycles pour trouver un autre dragon sans comme moi. Ta quête pour trouver ta sœur, c'était mon plan. Draco, je t'en supplie, arrête. Non, Spirif, je suis aussi un Draco sans puissant. Peu importe ce qui tombera, la dimension 0 sera ouverte. Et Aelius sera enfin libre. Oh, le trait. Je regrette un peu d'avoir fait ça. Aelius, mon ami, tu seras bientôt libre. Dracote, non! La dimension zéro est en train de s'ouvrir! Faut courir pas. Non, une barrière! Aelius? Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi! Quoi que ce soit qui était scellé dans la dimension 0, c'est libre maintenant. Je ne pense pas que tu me pardonneras, mais tu pourrais. C'est la chose la plus gentille qu'Acha ne m'ait jamais dit. D'accord, Patner, c'est toi et moi maintenant. Allons vers notre prochaine chaventure. Oh, trop bien niveau. Oh, pas ce niveau 59, c'est rageant. Et du coup, c'est terminé ou pas? Oh. Comment est-ce possible, Dracote? N'aie pas peur, je suis simplement un clown que Dracote a laissé derrière lui. Si jamais Dracote ne survivait pas, il souhaitait que vous sachiez la vérité tous les deux. Ah, il est gentil quand même! Au revoir et merci. Oh. Épilogue, quête principale. Fin du let's play aujourd'hui, j'imagine. C'est la tanière de Dracote? Déjà venu ici une fois auparavant. Regarde, il y a de l'argent. Ouais. Tous ces livres parlaient de la dimension 0, miaou. Et quelques notes de Dracote. On ne me pardonnera jamais pour ce que je vais faire. Mais je ferai tout pour libérer Aelius, même devenir un méchant. Ce passage date du moment où Dracote a appris ton existence. Je lui devais la vie, alors il m'a forcé à travailler avec lui. Je suis vraiment désolé, Patner. Ça doit être le moment où Dracote a chatnappé. Hein? Une photo à son chevet? Je serai avec toi, toujours, Aelius. Quand Acha crée un lien d'amitié, il ne l'est jamais oublié. Hein. Ah, ça, ouais. J'espère qu'il en repose en paix maintenant. Mais la dimension 0 était une prison pour les créatures les plus diaboliques. Espérons que rien de méchant ne soit sorti. Bah, c'est l'épilogue alors, ça va? Au revoir, Dracote. Dracote est peut-être parti, mais d'autres chats ont besoin de notre aide. En route vers notre prochaine chaventure. D'accord. Trophée obtenu, héros des dragons. Quête principale terminée.
Nouveau jeu déverrouillé. Tu peux désormais sélectionner le nouveau jeu depuis l'écran de titre. Bah, vu qu'on me dit que c'est la fin du jeu. Attends, c'est quoi ce nouveau jeu? Ah, c'est New Game Plus. Ouais, voilà, nouvelle partie plus, c'est là le nouveau jeu. Bah... J'ai l'impression que c'est terminé, donc ouais. Bah... On va quand même regarder le nouveau jeu pour voir. Hein. Ah! Transfère ton niveau et équipement dans ce monde. Tu n'obtiendras aucune récompense en l'activant. Le leveling est désactivé. Tu dois réussir le jeu au niveau 1. L'armure est encore bien plus importante. Non, je ne veux pas faire ça. Chanu, tu ne peux pas équiper d'armes ou d'armure. Tu dois battre le jeu tout nu. Bah, comme un chat, quoi. 9 vies. Tu n'as que 9 vies. Les ennemis sont plus forts. Déjà qu'ils le sont assez, je trouve. Alors bon. Ouais. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ce let's play. Et puis du coup, je pense que ouais, c'est la fin du let's play. Et puis moi de mon côté, ça y est, hein, je vais commencer à télécharger 4 quests 2. Parce que le 1 et le 2 ont été mis dans le PS Plus du mois de mai. Donc là voilà, j'ai fini le 1. Maintenant je vais passer au 2. Et puis j'espère qu'au mois d'août, parce que le 4 Quest 3 doit sortir le 8 août, de ce que je me souviens. Donc ouais voilà, il doit sortir le 8 août. Donc j'espère que... Le jeu sera annoncé pour arriver dans le PS Plus du mois de juillet, parce que le mois d'août, le PS Plus du mois d'août, ça serait le 20-21, donc clairement pas. Mais PlayStation, ce qu'ils font, c'est genre, ils l'annoncent en tant que jeu PS Plus du mois d'avant, malgré que le jeu sort le mois d'après. Je sais que c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas après tout. Donc ouais, si pendant l'annonce des jeux PS Plus du mois de juillet, on nous annonce 4 Quest 3, éventuellement, ouais, il est probable que 4 Quest 3, je le ferai aussi, de mon côté, je vais faire le 2. Donc dès que cette vidéo se termine, je fais directement le 2, et puis 4 Quest 3, j'aurai un mois et demi d'attente. Donc voilà. Ce jeu-là devait d'ailleurs durer en moyenne le jeu, si tu veux le faire à 100%, c'est-à-dire toutes les quêtes, ça dure environ 6 à 7 heures de jeu. Et 4 Quest 2, si tu veux faire toutes les quêtes, ça dure 5 à 6 heures de jeu. Et sachant que je ne ferai pas toutes les quêtes parce que c'est trop chiant, et puis... C'est juste l'histoire principale qui m'intéresse, moi, dans les jeux en général. Hein. S'il y a des quêtes secondaires, évidemment que je les ferai. Mais pas au point de m'emmerder à le finir à 100%. Hein, flemme et puis pas le temps. J'ai trop de let's play à faire. Mais bref, en tout cas, voilà. Merci d'avoir vu ce let's play. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa. Et puis je pense que la semaine prochaine, du coup, on démarrera directement 4 Quest 2 en let's play. Ouais, dans tous les cas, ça aurait été annoncé dans le Lemmy Info. Quand je tourne cette vidéo, le Lemmy Info n'est pas encore fait, parce qu'il n'y a pas eu de Nintendo Direct. Donc, ouais, j'attends les Nintendo Direct. Il y a vraiment trop de trucs que je devrais dire un jour en stream. Hein. Bref. Je vais faire 4 Quest 2 de mon côté, donc on se retrouve très vite pour 4 Quest 2 en let's play, puis si ce let's play vous a plu, likez, commentez, partagez, et surtout abonnez-vous, et puis à très vite pour le prochain let's play. Au revoir tout le monde.